Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo Fortnite dans laquelle nous allons voir ensemble l'un des défis de cette semaine qui consiste tout simplement à ouvrir 7 coffres dans la zone de Flush Factory. Donc c'est la zone qui se trouve tout en bas à gauche de la map. Et donc comme pour les défis précédents de ce même type, je vous conseille là encore de lancer en section, c'est-à-dire en escouade de 4 avec des joueurs random, pourquoi pas, et d'y aller en solo. C'est peut-être le moyen le plus simple de trouver le moins de gens possible dans cette zone. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à chaque fois et c'est ce qui me porte chance jusqu'ici. Donc, c'est vraiment le conseil principal que j'ai à vous donner. Donc, afin de réaliser ce défi de la manière la plus simple possible, je vous ai pris une petite vue aérienne de la zone, ce qui va vous permettre de repérer globalement avant même d'arriver où se trouvent les principaux coffres. Alors, j'en ai trouvé 7 à titre personnel. Il y en a peut-être plus. Comme toujours, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires si tel est le cas. Et avant de vous passer en revue les 7 différents coffres que j'ai trouvés, je vous donne un deuxième petit conseil. Il consiste tout simplement à piquer avant la zone de Flush Factory, environ 2 cases avant. Pourquoi pas dans une zone où il y a de l'eau, puisqu'on le sait, c'est la zone qui sera la plus basse dans la map. Ceci afin d'arriver le plus vite possible sur la zone. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour les 7 coffres que je connais dans cette zone. Lorsque vous êtes face à l'entrée de Flush Factory, lorsque vous regardez la zone face à vous, vous avez un premier coffre qui se trouve tout de suite à gauche, directement dans la benne du camion. Le coffre suivant se trouve à l'opposé, sur votre droite, juste en face, dans la remorque d'une petite voiture. Un troisième coffre, quant à lui, se trouve un petit peu plus à gauche de cette voiture, dans un conteneur qui se trouve sur l'extérieur côté droit. Ensuite, vous allez trouver 3 coffres dans le gros bâtiment central un petit peu sur la gauche. Donc les 2 premiers coffres se trouvent sur la partie droite du grand bâtiment central. Donc vous montez à l'étage au niveau des passerelles, vous en avez un sur la droite et lorsque vous vous retournez, vous en trouvez un juste à côté, toujours sur la chaîne de fabrication des WC. Le troisième de ce gros bâtiment central se trouve un petit peu plus vers la gauche du bâtiment au niveau du gros bloc de test de peinture posé sur ce dernier. Et enfin, le septième et dernier coffre que j'ai pu trouver dans la zone de Flush Factory se trouve tout simplement dans le petit bâtiment annexe complètement à gauche de la map. Lorsque vous rentrez dans le petit bâtiment, ce coffre se trouve à l'étage sur la passerelle. Donc voilà la totalité des coffres que j'ai pu trouver dans cette zone. Il est fort possible, je le rappelle, qu'il y en ait d'autres. Si tel est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à nous faire part de vos conseils. Comme toujours, je vous précise que je vous ai mis le lien de la map en barre d'infos pour tous ceux qui souhaitent accéder directement à la vue aérienne. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Profitez bien et bon geekage à tous !